Et donc salut à tous, c'est Giginox et on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Rayman's Origins. Donc on avait fini les deux premiers niveaux dans le premier épisode, donc j'avais pris mon temps hein, quand même. Hein. Donc là on va essayer d'avancer un peu plus. Et au moins d'arriver, j'espère qu'on va arriver jusqu'au niveau Keep Shoot'em Up, qui est un des... Bah c'est en fait ça va être le premier boss hein. Parce que les combats de boss dans ce jeu se jouent à dos de moustique en fait. On peut pas monter là, on sait rien. Se joue à dos de moustique à la manière d'un... Ah, je vais dire un contrôle, je suis vraiment un gros con là. Non, je sais pas, d'un R-Type. Pas d'un Galaga, parce que Galaga c'est plus... Space Invader, hein. Ça ressemble plus à du Space Invader en fait. J'ai pas du R-Type, j'ai joué complètement les shoot'em up. Hein. C'est un genre que j'aime bien regarder, les autres jouaient, mais moi je suis tellement nul que j'oublie à chaque fois comment les jeux s'appellent tout simplement. Hop, voilà, oula. Ils ont des sacrées gueules quand même ces bestioles. Alors moi j'adore cette animation. Cette animation que nous offre Michel Ancel et toute son équipe. Hein. Là c'était fait par Montreux. Comme je l'ai dit de toute façon, si c'est Michel Ancel, bah c'est Montreux forcément. Eh mais cours. Voilà, hop, donc on continue. Non, oh, j'ai cru que j'avais résisté. Enfin, je vais sur les cubes en fait. Non, j'ai pas envie de les chercher. Vite, vite, vite. Ah non, j'ai cru qu'il fallait avancer vite pour pas se faire. Broyé comme dans comme dans Star Wars dans un nouvel espoir. Ah, je savais bien. Ah, c'est dommage, on garde pas le truc on garde pas le bonus. Alors donc là, pour moi, là, niveau actualité, jeux vidéo, bon, c'est bientôt la sortie en France de Monster Hunter 3 Ultimate. Donc moi, étant un grand fan de... Et ayant beaucoup joué au tri, je pense que ça se voit rien qu'avec mon pseudo. Hein. Bah, je vais peut-être me le prendre, je ne sais pas. Alors j'hésite encore entre me le prendre ou attendre... économiser pour me prendre le SimCity. Apparemment on dit beaucoup de mal de SimCity quand même hein. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Apparemment si hein. Enfin bon, j'ai pas envie trop de m'étendre sur le sujet. Ceci ne nous regarde pas. Faudra... Oh, je verrai bien, je me le prendrai sûrement. Peut-être même que je le craque pour le tester, je ne sais pas encore. J'ai déjà testé, j'ai participé à une des bêtas. Hein. Mais ça m'avait semblé assez... c'est sûr que les maps sont vraiment petites. Hein. Parce que même par rapport à un Cities XL, que beaucoup n'aiment pas vraiment, que moi j'apprécie tout de même. Je trouve que les maps, enfin Cities XL c'est quand même des... On peut faire des villes énormes même si... Voilà quoi, si ça va quand même assez dans le détail, mais on peut faire des villes juste énormes. Et là, bah on peut rien faire. Enfin, je trouve que on a autant de place qu'un... que sur un...
Ah merde. Ouf. Ah putain, j'aurais fait ça dès le début, ça aurait été bon. Je disais oui, on a. Oh, j'ai jamais fait ce saut là, bizarre. Donc, je vais finir ma phrase. On a autant de place que sur un tapis de jeu pour enfants, j'ai l'impression. De ce que j'ai joué. Alors, j'ai pas pu jouer beaucoup en liberté. Parce que sur les 1 heure de jeu, j'ai pu télécharger la bêta qui a une durée très tardive. Donc, forcément, moi quand je suis arrivé, la bêta est presque finie. Alors, la bêta n'a même pas duré 24 heures. Quoi. C'était la deuxième bêta juste avant la sortie. Et une bêta qui dure même pas 24 heures, je trouve pas ça très intéressant quoi. C'est presque un peu foutage de gueule, je dirais. Alors, en plus de limiter les sessions à juste 1 heure, moi je trouve. D'accord, on a le temps de faire une session assez élevée quand même, parce que c'est un city builder, ça prend des jours et des jours pour faire une ville parfaite quoi, normalement. Enfin pas parfaite, mais au moins une bonne grosse ville, ça prend quand même un certain temps on va dire. Donc 1 heure sur ce genre de jeu, je trouve que c'est vraiment pas assez. Enfin, ne nous entêtons pas dessus. Si ça se trouve, quand la vidéo sera upload, j'aurai sûrement acheté le jeu. Je peux pas savoir pour l'instant. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt me prendre le Monster Hunter 3 Ultimate. Parce que j'ai bien envie de reprendre un peu de Monster Hunter depuis que Maui a. Ah, est morte hein. Enfin, elle est pas morte, mais le lecteur de DVD ne marche plus. Enfin, même si ça doit pas être DVD. Le lecteur de DVD ne marche plus, donc forcément j'ai un peu de mal à jouer. Voilà, il faut que j'économise pour m'acheter la Wii U et puis pour m'acheter soit la PS3, soit l'Xbox 3. J'en sais rien. Je verrai bien, fait une session de questions personnelles que je ne devrais même pas parler de mes vidéos. Comme ça me regarde. Hop là, des lumes. Papa. Et voilà, j'ai pas envie de me faire chier à chercher des trucs. Donc on continue. Ah fuck. J'aurais pu me faire un petit bonus. Alors j'ai pas encore fait d'intro pour cette série. Bon, généralement je l'ai fait assez tard les intros, j'utilise mes propres footage, donc forcément ça vient un peu plus tard que les deux premiers épisodes. Oh, c'est un chaînement de fou. Je crois qu'il y a la série sur Monkey Island. Normalement, vous devrez déjà avoir vu. Peut-être pas. Peut-être fait un. Oubliez ce que je viens de dire. Ah, Thibaut. Si je suis con, on est dans le deuxième épisode là. Si, normalement, vous l'avez déjà vu. Le premier épisode qui a dû sortir la semaine dernière. Donc, normalement, un jeudi. Si on n'a pas décalé ma date de parution de vidéo sur la chaîne Out of Reality Gaming. Normalement, c'est le jeudi. Vous devriez avoir la. Vous devriez avoir vu la première vidéo du let's play sur le truc. Alors encore un niveau et on arrive au niveau type shoot 'em up. Non, c'est avec beat 'em up et beat 'em all. Alors il y a beaucoup qui disent beat 'em all. Et beaucoup considèrent qu'il faut juste dire beat them up. Alors sachez que je n'ai aucune opinion sur la question et de ça je m'en fous. Donc, du coup je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Ça je vais te péter la gueule toi. D'accord. Bon. Eh bien premier fail de la saison, enfin de la série, hein, parce que là je ne peux pas faire des saisons. Hein. Alors si je fais une saison par par monde, mais ça m'étonnerait fortement.
Les saisons, c'est vraiment que pour le Minecraft ou pour les jeux qui s'y prêtent. Hein. Ah, qui s'y prêtent. Oui, bien sûr. Allez. Amène mon fils. Il s'éclate contre le mur. Hop, niveau bonus. Pas trop caché. Un peu Angry Bird là, à ce niveau. Il faut gérer son saut. Ah fuck, j'ai pas eu le dernier. Non. Oh oui, c'est bon. Je l'ai eu. Oh là là. Je fais toujours des sacrés. Des sacrés enchaînements. Oui, je sais, je suis bon. Je vais quand même. Voilà, je fais. J'ai déjà fait 2 niveaux là. Je vais faire 3 niveaux dans cet épisode. Mais ça serait merveilleux. Peut-être même essayer de faire le niveau. Putain. Je veux le roi. Oh, mais tu te fous de ma gueule là. Non. Je pars. Ah, mais non. Ah, voilà. Oh, mais tu te fous de ma gueule, y'a qu'un seul truc. Ah non, c'est bon. Non. Ah, je le dis bien. Ses petits éternements, le pauvre. Ah, ah non. Ouais, bon, on va laisser tomber hein, pour celui-là. Voilà. Non. J'étais bien nu. Hop. Et je te pète la gueule. J'ai dit. Alors j'ai la mauvaise habitude de parler de mes prochaines vidéos quand je sais plus quoi dire en fait dans mes vidéos. Je parle de mes prochaines vidéos. Il y a un petit problème. Non, je parle d'actu, je meuble généralement. C'est ce que font la plupart des youtubeurs qui font des let's play de toute façon. Immeuble hein. Alors ce que vous voulez, mais c'est vrai. Attendez, il y aurait pas un petit truc là? Non. Bah, s'il y a un truc, je peux pas y aller. Oh dieu, fin! Ah oui, ils m'ont jamais tapé, j'ai l'impression. Que ce soit dans mes parties solo. Ah, bon, ça va, y a pas de truc. Allez! Merde, on peut pas monter là. Voilà. Bon, on va faire le niveau. Hein. On a le temps de faire le niveau du moustique, de toute façon. On n'est pas encore à 15 minutes. Je fais au moins 15 minutes. Hein. Bah, si c'est 200 le minimum. Ah, ça va. J'aurais eu un peu les boules. Alors, tu sais, ces espèces de smiley violet, hein, ça sert à choper des nouveaux skins en fait et des nouveaux persos. Donc on a Rayman, oh, j'ai oublié tous les noms là, cette espèce de, je crois que c'est Globox, cette espèce de truc bleu, ami de Rayman depuis je crois le 2, hein, peut-être même le 1, je m'en rappelle plus du tout, hein, mais je me rappelle de lui dans le 2. Donc là, ouais, elle est contente. Donc est-ce que, ah c'est peut-être pas encore, ah non c'est pas encore le... Oui, c'est cool. Ah si, peut-être. Je sais pas si c'est déjà le niveau du shoot'em up. J'en sais rien du tout. Ah si, il y a de fortes chances. Ah, c'est un peu, ouais, c'est un peu le niveau what the fuck qui sert de bonus en fait. Ouais, je me rappelle de ces trucs-là quand je jouais à Rayman 1, le premier Rayman. Allez, passe. Ah non, d'accord, on peut s'accrocher à ce truc-là. Ah
C'était un niveau facile. D'accord, je le conçois. Donc on va se faire le niveau du moustique. Donc, un premier essai. Pour passer au prochain monde. Et voilà. 100. Et j'ai assez pour avoir le deuxième truc, si c'est pas merveilleux. Mais j'ai pas assez pour avoir la suite. De peu. Hein. C'est pas grave. Et il monte ce tube de manière très suggestive. Hop là, c'est parti. Hop, uppercut. Oh, manière Rambo. J'ai eu les trois. C'est pas possible. Voilà. Un nouveau personnage débloqué. Plus on a de machins, plus on en a de machins. Plus on a de ces smileys. ces smileys violets. Plus on a de chance d'avoir des personnages en fait, je crois. Ça en débloque. Donc, ah, c'est bon. D'accord, je suis mort par un pilier. Oh, je pense que ça m'était déjà arrivé en plus. Alors là, c'est parti. Je crois que c'est en plus c'est sur fond. La musique est géniale dans ces niveaux. Oh tiens. Peut-être mettre cette musique là. Ouais, c'est vraiment, c'est pas un... Ah, c'est le début aussi, hein. Je crois que c'est un peu plus, c'est beaucoup plus dur, même rien que dans ce niveau, c'est plus dur à un moment. J'avais galéré, je crois, une fois, parce que je veux tout récupérer, en fait, je veux récupérer tous les lumières à chaque fois. Ah, c'est ces trucs-là, là, qui sont chiants. Y a pas à chier, là. Il y a quand même une, c'est quand même une super musique. Ubisoft, enfin, c'est pas Ubisoft, mais je crois. Mais le studio qui a développé cette musique a fait un super boulot. J'adore. Je crois qu'ils ont pris le même groupe que pour le jeu des lapins crétins, vous savez, où ils étaient dans un chariot de supermarché. Je faisais un peu la... chercher des objets pour aller sur la lune. Voilà, c'était ça le speech de ce jeu. Je m'en rappelle maintenant. Ah eh, eh. Alors, je crois que c'est là que ça commence à être hard. Où je suis mort plusieurs fois. Ah, c'est là, c'est ici que je suis mort. C'est pas dur hein, pourtant, hein, c'est pas dur. Mais c'est du shoot'em up et je suis une vraie brève. Et j'adore y jouer, mais je suis une brève. Rien que les coups, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on tape à un certain moment, bah, pour que ça fasse de la musique, enfin, ça continue le morceau en fait. Ça, c'est... Les coups que je donne, c'est presque en rythme avec la musique, quoi. Bon, à part là, quoi. C'est normal. Donc voilà, alors là on va se taper le gros méchant. Le gros méchant de ce monde là. Je sais plus de dire ce que c'est, pas un poulet. Ah non, poulet c'est dans Parodius, je crois. Je ne sais plus du tout. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Ah oui, faut lui envoyer ça.
Yuri, c'est une espèce de... Mais si, c'est un poulet. Enfin, je le savais. Je savais que c'était un poulet. Oh là là, qu'est-ce que je lui mets? Voilà. Et voilà, t'es mort. Oh là là là. Qu'est-ce que je suis fort, hein? Qu'est-ce qu'il est fort, ce Giginox? J'ai envie de faire des phrases à la Hooper. Je sais pas pourquoi. J'adore ce type. C'est franchement... Bah, c'est celui qui m'a donné envie de faire des vidéos. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce type. J'aime son ambiance, j'aime son humeur. Voilà, c'est tout. Oh, 323, je pense qu'il... Ah, maintenant... Ah, purée, j'aurais presque failli avoir le... La petite récompense, bah moi, ouais. Bah on a fini le premier niveau, le premier monde. Je sais pas si c'est vraiment des mondes, si c'est des mondes. Le premier monde en bas, en deux épisodes, donc c'est cool. Et bah heureusement que je fais pas, je fais pas une saison par monde, parce que j'en aurais beaucoup de saisons, enfin non, pas beaucoup d'épisodes par saison, on va dire plutôt, puis beaucoup de saisons. Donc voilà, on retourne à la croisée des rêves. Ce magnifique temps de chargement. Et voilà. Jungle à bafouille. Et donc on se retrouve pour le troisième... Ah, le troisième épisode pour le désert des Didgeridoo. Et donc salut à tous. Jouez bien. Jouez intelligent. Allez, salut.